7 juin, là il est 9h pile poil, du coup tout le monde est prêt. Du coup David est en repos aujourd'hui, donc on a plein de trucs à faire. En général quand il est en repos, bah, on fait plein de trucs. Nana est ici, elle est toute belle avec sa petite robe que j'avais achetée à Orchestra, bah, je vous l'avais montré d'ailleurs dans le vlog, et ses petites chaussures que vous voyez là aussi, je vous les avais montrées également dans le vlog. C'est ces petites chaussures lapinou là. Le problème, c'est que je trouve ces chaussures, elles sont super belles, hein. Mais le problème, c'est que je les trouve trop rigides. Du coup, ça lui fait mal et ça lui blesse le pied, donc je suis dégoûtée. Donc là, je vais lui mettre des petits pansements quand même, parce que j'ai peur qu'elle se fasse mal. Vous avez été quelques-unes à me demander que je vous montre ma tenue dans mes vlogs, en fait, parce que voilà, vous vouliez voir mes vêtements, comment je suis habillée. Alors rien d'extra, hein, moi je suis pas quelqu'un qui fait super gaffe à comment je m'habille ou tout ça. Bon, après j'ai des petites choses sympas que je trouve à droite à gauche, mais c'est pas des trucs de ouf. Bon, alors aujourd'hui donc je porte un top. Je l'ai acheté sur le site La Festilée, je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai le lien si vous le voulez en barre d'infos. Je le trouve très joli. Alors j'ai adoré le motif. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Ouais, si, le motif. Et le fait qu'on peut régler les bretelles comme ça avec des nœuds. Donc c'est très joli. Et puis le fait que ce soit bouffant. Parce que moi je mets plus du tout des trucs cintrés, quoi, enfin depuis que j'ai accouché de toute façon. Et en bas, rien de spécial, un simple jean que j'ai retroussé en bas. Et par contre, en chaussures, je vous montre rapidement ce que je vais mettre. Hop. Voilà, je vais mettre ça, c'est des petites sandales, claquettes, que je sais pas comment vous pouvez les désigner. Mais je les avais achetées à Telly Welsh l'année dernière, je crois. Pour pas cher du tout, je crois que je les avais payées 4 euros parce qu'elles étaient en solde à moins 70% ou au moins 80%. Enfin, c'était vraiment un truc de faux. Et écoutez, bah, moi de toute façon, d'année à l'autre, je garde mes sandales. Donc voilà, je vais les mettre en même temps. Comme ça, hop. Ça sera fait. Voilà, ça je vais ranger. Voilà, aujourd'hui donc comme je vous ai dit ce matin là, on va aller à Gémeaux. Parce que regardez pas, enfin regardez-moi, je les ai mis où ces sandales? Samedi, je suis allée acheter des sandales pour Evan. Et en fait, donc il fait du 35. Donc en fait c'est du sandal banal, hein, comme ça. Je vous avais dit, moi les sandales garçons j'aime que celles-ci en fait, celles qui sont en, comment on appelle ça, en cuir à l'intérieur comme ça et comme ça à l'extérieur. Du coup j'ai trouvé jolies, en plus elles étaient pas chères du tout, elles étaient à 9 euros. Donc on a pris du taille 35, donc on arrive en caisse et en fait elles étaient comme ça, elles étaient pas dans une boîte vous savez, donc on arrive comme ça en caisse. Et là il s'avère qu'elle avait pas le prix, donc sa collègue va chercher une autre paire en 33. Elle ramène le 33 et en fait je l'ai pas vu, mais la caissière, la vendeuse, à la place de me redonner le 35, elle a mis le 33 à la place du 35. Ça fait que je me retrouve avec une chaussure en 35 et une chaussure en 33. Et nous on l'a pas vu au début. Et en fait c'est quand on est parti en balade samedi après-midi ou je sais plus, ou dimanche je sais plus, bref. On est parti en balade. Et là, Evan qui me dit, oh, mais elles me font mal du pied droit, les chaussures. Alors moi, je faisais pas gaffe. Je dis, ouais, mais tu sais, on a toujours un pied plus grand que l'autre, ça va se faire. Vu qu'elles étaient neuves, voilà. Et il insistait, il disait, non, mais elles me font vraiment mal, elles me font mal. Et puis de plus en plus, quoi. Je dis, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Et en fait, il les a mis l'une à côté de l'autre. Et là, elle me dit, mais il y en a une beaucoup plus petite que l'autre. Et il regarde la pointure, c'était du 33.
Donc voilà. Donc on est obligé de retourner pour aller échanger. Donc du coup bon, il les a quand même portés, mais bon, j'ai essayé d'enlever la trace. Vous savez, on voit un petit peu la trace. Voilà, là, là c'est du 35, on voit la trace des orteils. Et là le 33, j'ai nettoyé pour pas qu'on voie qu'il les a portés. Mais bon après voilà, il faut bien qu'il les porte. Et puis c'est pas de notre faute, bref. Donc on va échanger ça. Ensuite il faut qu'on aille où? À Kiabi pour à Kiabi pour un cadeau pour son père, pour la fête, ouais, des pères. Il faut que j'aille aussi acheter des couches au cabane, acheter des abricots. Il faut que j'aille à la poste pour un colis à envoyer. Enfin bref, on va peut-être y aller, hein, parce qu'en fait on a beaucoup de trucs à faire. Hein? Après il faut aller chercher Nana. Non, non. Et attendez, je vais juste vous montrer un petit truc. Vous savez, j'avais planté de la coriandre. Et ça y est, elle est enfin sortie, donc je suis trop contente. Oh, il y a un petit oisillon par terre. Il est encore vivant? Oh non, regardez. Il a dû être tombé du nid, lui. Il est où, le nid? Bah, je sais pas. Il doit être là-haut, je sais pas, un truc comme ça, dans les toits. Hein. Ou là, peut-être. Dans les gouttières. Parce que là, il y a souvent des petits oisillons qui tombent, mais en général, malheureusement, quand ils tombent, bah, ils sont morts sur le coup, mais là, il est encore vivant, quoi. Non, Nicky, tu vas pas dessus. Hein. Mais je pense qu'il est encore vivant. Moi. Ouais, il est encore vivant, je l'ai vu ouvrir la bouche. T'as vu, Nana, c'est un petit oisillon. Il est tombé du nid. Faut pas toucher, hein. Hein? Nicky, il faut pas toucher, hein. Nicky, attention. Non. Nicky, attention. Ouais, bah malheureusement, un petit oisillon comme ça, on peut rien pour lui, hein. On en avait déjà gardé un, mais il avait beaucoup plus de plumage, hein, là. Franchement, hors du nid, il va pas survivre longtemps. Hein. D'ailleurs, je me demande s'il est pas déjà en train de mourir, malheureusement. Mais nous, on pourra rien faire comme ça. Hein. Un petit oiseau comme ça, sans plumage, sans rien, malheureusement, il survit pas longtemps. Hein. Et même en présence de l'homme, là... On va le mettre de côté. Donc je vous disais, ma coriandre, regardez comment elle a poussé. Trop trop belle, quoi. Et là du coup hier j'ai planté le reste de graines de coriandre. Du coup ça va, je vais en avoir un autre plan. Voilà. Bon ça y est, du coup on revient, là il est déjà midi, on vient de chercher Nono. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris pour la fête des pères, du coup, parce que j'avais pas le cadeau pour la fête des pères pour David. Donc on a pris ça, un t-shirt chez Kiabi. Voilà, il est simple, mais bon, c'est ce qu'il voulait, donc je lui ai pris ça. Et un short, voilà, pour aller avec. C'est pareil, il a plus beaucoup de shorts, donc je lui ai pris un short comme ça. Et ma foi, j'aime bien ce style-là, un peu short chino, vous savez. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça ou juste. Mais vous savez, il est retroussé, et je sais pas la couleur. J'ai trouvé sympa, et il a bien aimé aussi, donc du coup, voilà, l'ensemble là, ça va bien ensemble. Il s'est pris des tongs parce qu'il voulait des tongs pour dépanner, les autres étaient foutues, elles étaient à 3 €. Il a pris du coup pour son père la même chose, le même short, et par contre il a pas pris le même t-shirt. Je le trouve même plus joli comme ça, je sais pas, la couleur comme ça, elle est trop belle, et du coup ça va trop bien ensemble aussi. Donc ça sera pour son père, et on a trouvé une des petites paires de sandales pour Nana qui lui font moins mal, enfin qui lui font pas mal, parce qu'en fait c'est des toutes souples là. Et elles étaient à moins 50% de 24 €, donc on les a eues pour 12 €. Et franchement, je les trouve trop jolies. Celles-là, on les a pris à... C'était quoi? Chaussée A? Ouais. Chaussée A. Et je sais pas, je les trouve trop mignonnes. Elles sont réglables vu qu'elles sont un scratch. Et franchement, je lui ai pris du 20. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le 24, c'était beaucoup trop grand. Enfin, pas non plus beaucoup trop grand, mais c'était... Mais le 20, lui va mieux en fait en sandales que le 21. Et là, ça lui va très très bien. Et on est content, voilà. Et ah oui, on a pris aussi également...
Des aubergines chez le primeur. Donc c'est des aubergines qui sont de par chez nous là, de Moggio, c'est à côté. Et des abricots qui étaient à 1,50€ le kilo. Mais on en prend tout le temps parce que là, et là je vais essayer de faire de la confiture avec. Juste un pot. Et le reste, je vais faire un gâteau, une tarte aux abricots. Voilà. Et le reste, c'est les couches, les sandales qu'on a échangées, que je vous avais dit qu'il fallait qu'on échange. Et des petites conneries. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a pris. Là, on va faire à manger. Et du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Bon là du coup comme vous le savez hein, quand on rentre tard le matin, on a pas, enfin ouais quand on rentre tard le midi, on n'a pas le temps de faire des repas qui durent longtemps puisque les enfants reprennent l'école à 13h20, ils doivent être là-bas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu juste quand on rentre à midi. Donc là ce que je vais faire, là je suis en train de faire revenir du tofu, je vais enlever la haute. C'est du tofu goût pizza, je vous l'avais montré dans mon retour de course du magasin bio. Donc je fais simplement revenir dans un peu de ghee, c'est du beurre clarifié, ça c'est pareil, vous l'avez montré en vidéo. Et avec Nono, vous voulez des spaghettis. Voilà, donc on va faire des spaghettis. Et moi au four, j'ai des... Hop, je vais laisser ça là. Au four, j'ai des aubergines. En fait, je vais faire un caviar d'aubergines, mais je pense que je vais le faire pour ce soir parce que ce sera pas assez cuit là. Déjà, il reste encore 15 minutes. Hop, vous voyez rien. Ouais, mon four, c'est un four miroir. 15 minutes et du coup après ça en fait il faut que j'enlève tout, que je le fasse revenir avec des oignons, de l'ail, etc. Donc le caviar d'aubergine là bah, ce sera pas pour aujourd'hui, enfin pas pour ce midi. Ce sera, c'est pas grave, ce sera pour ce soir. En attendant, mais on va manger ça avec une petite salade de tomates. Voilà. Bon appétit. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire bon appétit. Bah dis, tu peux le dire. Non, parce qu'il s'amuse à manger, à piocher des pâtes là. Je sais pas comment il fait pour les manger crues, mais bon. Et vous avez vu, je leur ai coupé les cheveux aux deux hier. Je leur ai fait la coupe d'été là, ça y est, ils ont la coupe toute courte. Donc voilà, et je leur mets juste un petit peu de gel par-dessus. Oh non! Regardez, il y a encore un oiseau qui est tombé du nid, le pauvre. Et l'autre, il était mort aussi. Hein. Celui-là, il est mort direct quand il est tombé. Bah, et on sait pas. Ouais, on sait pas d'où. On sait pas d'où. On a regardé si on trouvait pas le nid, mais on n'a pas trouvé le nid en fait. Donc, ouais, c'est malheureux parce que ça fait déjà deux, les pauvres quoi, mais bon. On l'enlève parce que sinon, les chiens seraient capables de nous les bouffer. Et regardez Obey Bronze. Regardez-le. Il s'est mis au soleil là. Et tranquille. Bon, j'ai eu une mise à jour encore des recettes de Monsieur Cuisine et en fait je m'étais dit que de vous les montrer au fur et à mesure qu'il y avait des nouvelles, ce serait peut-être intéressant pour vous puisque vous aviez eu quand même pas mal de questions concernant les recettes qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait les mises à jour elles se font une fois toutes les semaines il me semble, et en fait toutes les semaines on a de nouvelles recettes qui arrivent automatiquement sur le Monsieur Cuisine. On n'a rien besoin de faire, en fait ça se télécharge automatiquement puisqu'il est connecté avec la Wi-Fi. En l'occurrence cette semaine on a eu donc crème glacée, pâte à cookies, fromage blanc stracciatella orné de framboises, les gommes de fruits au yaourt, ça doit trop être bon ça. Ouais hein, ça va être bon. Le granité à la fraise à l'orange, ah non ça je l'avais déjà la semaine dernière. Celle-là là, attends, lasagne de courgettes que je vais certainement faire, c'est sûr. Le pain à la tomate qui m'a l'air délicieux, pâte à cookies. Rizi et Bizi, ça je pense que c'est un riz, comme un riz, comment on appelle ça? Oui voilà, donc je pense que ça doit être un petit peu un style de riz cantonné puisque je vois, enfin j'aperçois des... Ouais ça doit être un peu ça, mais bon ouais. Bref, je vous montre le reste. Rouleau d'aubergine farcie que je vais aussi tester je pense, et spaghetti alghio et olio. Olio. Et voilà, c'est tout pour les nouvelles recettes. Écoutez, je suis bien contente d'avoir des nouvelles recettes. Bon, du coup, il y a Nono qui vient de rentrer. Et regardez ce qu'il me ramène. Il a perdu sa petite dent, mais je suis trop déçue. Il l'a perdu sans moi. Il l'a perdu sans moi. Et je vois, ça me fait quelque chose parce que ça faisait. Hein, ça faisait bien deux semaines qu'on était dessus sur ta dent. Et elle partait pas. Mais regardez, enfin, je vais pas vous le montrer de près parce que c'est pas très glamour, mais elle a une sacrée racine. Oui, c'est le petit chat qui s'en fait pas. Donc ouais, et la petite dent derrière, elle est déjà en train de pousser. Pour voir, je vais la montrer Nono.
Ouais, là vous la voyez un petit peu. Voilà, et donc du coup, ouais, il a perdu sa petite dent. Donc ce soir, il va y avoir la petite souris qui va t'amener une petite pièce. Et voilà, c'est sa première dent qu'il a perdue. Alors Nono, ça va, c'est l'âge, la moyenne d'âge. Ouais, parce qu'il va avoir 6 ans dimanche d'ailleurs. Il va avoir 6 ans. Et par contre, Evan, il a perdu sa première dent super tard, il avait 8 ans. 7 ans et demi. 7 ans et demi, parce qu'il était déjà au CE1, je crois. Hein. Et donc voilà, ça y est, c'est parti. Et là, c'est que le début, Nono. Hein. Là, ça va continuer. D'ailleurs, celle à côté, elle bouge pas déjà? Non. Pourquoi? À côté, non, à côté, de l'autre côté. Non, de l'autre côté. Ah. Là, celle-là, là. Ah. Ouais, celle-là, elle bouge pas, celle-là? Si, elle bouge aussi! Oh non! Ah. Oh, attends, parce que Nono, faut le dire, hein, lui, il attend. Il attend le dernier fil qui est accroché pour l'enlever hein, là-dedans. Il n'est pas comme Nono, pas comme Evan, que dès qu'elle bouge un petit peu, il joue pour l'arracher. Lui, il attend vraiment, vraiment la dernière seconde, le dernier petit fil qui est suspendu. Bah là, ces derniers jours, il pouvait carrément presque la mettre à l'horizontale tellement elle bougeait, pour vous dire. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je vous en avais pas encore parlé ici en vidéo sur YouTube. Parce que je vous en avais parlé sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je mets plein de choses, des petites fabrications, des petites astuces, tout ça. Et du coup j'ai voulu faire un tawashi. Un tawashi en fait c'est une éponge complètement recyclée avec les choses qu'on a à la maison. Si vous voulez savoir exactement en détail ce que c'est, vous tapez tout simplement sur Google tawashi et vous aurez tout plein de renseignements sur ça, comment le faire, etc. Moi je vous ai mis les étapes rapidement sur Insta et je vais essayer de le mettre en story permanente, comme ça au moins vous aurez une petite trace. J'ai choisi de mettre avec du filet d'oignon. En fait c'est pour le côté grattant. Normalement il y a plein d'éponges qui ne se font pas avec les filets d'oignon, mais moi j'en ai rajouté pour tout simplement que ça fasse un effet grattant quoi. En fait ça remplace l'éponge qu'on peut acheter dans le commerce. Et normalement ça doit durer plus longtemps, après je sais pas parce que je l'ai faite hier. Pour l'instant on fait la vaisselle avec, ça nettoie très bien, ça gratte très bien, on est très content. Voilà, j'ai mis ça avec parce que quand je m'en sers pas je l'accroche là en attendant. Hop, comme ça sèche, etc. Et je suis plutôt contente et fière d'avoir pu faire ça. Du coup ouais c'est... comme d'habitude dans mon petit projet zéro déchet, du coup sur les trucs qu'on peut recycler, qu'on a à la maison quoi, c'est toujours pratique. Et voilà, et du coup je voulais vous en parler parce que j'allais nettoyer le petit couteau qu'il y a là avec l'éponge, parce que ce soir je vais faire des aiguilles de canard au balsamique, au vinaigre balsamique. Donc on va faire ça avec du riz et moi je vais me faire mon caviar d'aubergine également, donc à côté, parce que moi je suis la seule à en manger de ça. Je vais essayer d'en faire un goûter à Nana, mais ça m'étonnerait qu'elle en mange, et à Evan peut-être qu'il va en manger, mais Nono et David c'est sûr qu'ils vont pas en manger, mais voilà je vais faire ça et donc les aiguilles de poulet et le riz et je vous montre les étapes si vous voulez comme d'habitude. Donc la première étape c'est de faire revenir les aiguillettes de canard. Ensuite on les enlève de la poêle et on rajoute normalement deux échalotes. Moi j'avais pas d'échalotes donc j'ai mis tout simplement un demi-oignon que je fais revenir comme ceci. Ensuite je vais rajouter un peu de sucre et du vinaigre balsamique que je vais faire déglacer en gros en fait. Je vais faire comme ça et ensuite je vous montrerai le reste tout à l'heure. Voilà, donc là je viens de rajouter du vinaigre balsamique, un petit peu de sucre. Alors moi c'est tout au feeling, hein, au pif, voilà, je rajoute à peu près. Là je suis en train de faire revenir quand même à feu doux, c'est quand même assez baissé. Revenir, adoucir un petit peu les oignons, les faire ramollir, les rendre tendres en gros. Je fais attention parce qu'à côté, je suis aussi en train de faire revenir des oignons pour le caviar d'aubergine. Hop. Vous voyez plus rien. Bref, ensuite là, juste après avoir arrêté de filmer, je vais remettre la viande à l'intérieur. Je vais laisser encore un petit peu cuire. Et ensuite, je vais venir déglacer avec de la crème fraîche, de la moutarde. Et je vais laisser un petit peu baigner dans le jus. Et ce sera prêt quand le riz sera cuit. Voilà. Voilà, donc comme je vous disais, là j'ai rajouté le poulet, j'ai rajouté de la crème fraîche, de la moutarde à l'ancienne, toujours.
Je laisse un petit peu mijoter, pas grand chose parce que le canard il est vite, bien cuit quoi. Donc je vais laisser pas longtemps. Là à côté mon caviar d'aubergine. Donc j'ai fait revenir la chair, enfin l'oignon comme vous l'avez vu, la chair de l'aubergine. Plus j'ai rajouté de l'ail, la sauce tomate. Je vais rajouter également du gomasio. Je vous l'avais déjà présenté dans le retour de course. C'est ça, à la place de salé en fait, je mets ça. Je mets du gomasio, c'est très bon. Je vais mettre du poivre également et je vais mettre des petites billes de mozza que j'ai mis dans. Bon, c'est des billes de mozza, mais je les ai mis dans un tupperware pour les garder plus longtemps. Je vais juste en fait les rajouter par dessus comme ça, vous savez, comme ça, ça va fondre avec la chaleur. Et là mon riz est bientôt cuit, on va bientôt se mettre à table, je pense que ce repas va être délicieux. Bon bref, je disais donc si vous aviez l'odeur de ça, c'est un délice. Ça sent tellement bon. Ah, ça sent bon. Ça sent dans toute la maison. Bon, ouais. Ça sent dans toute la maison. Ouais ouais. Allez donc on vous retrouve tout à l'heure comme d'hab. Ah. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Vous me voyez toute rouge. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il est quelle heure là? 8h30. Voilà. Du coup, ouais, on a mangé assez tôt en fait. On s'est rendu compte que. Enfin, moi je croyais que la recette que j'allais faire là avec les écuettes de canard allait durer un petit peu plus longtemps. Donc je m'étais pris en avance. Et en fait, elle était super rapide. Donc du coup, on a mangé tôt. Mais bon, moi ça me dérange pas du tout. Au moins j'ai le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Là je sais pas si je vais bouquiner, si je vais regarder une série. Je suis en train de regarder Dans leur regard. Ça va, j'aime bien. J'aime plutôt bien. Mais sans plus. C'est pas trop mon style en fait de série, mais voilà, elle passe. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Bref, je vais aller sur YouTube répondre à vos commentaires sur le dernier vlog qui a été posté. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.